On se retrouve pour la conclusion de ce rendez-vous virtuel sur les normes du travail. Dans un premier temps, il vous faut retenir ces quelques commentaires au sujet de la période de démarrage d'une coopérative. Comme toute entreprise en démarrage, une coopérative peut rencontrer des creux économiques qui rendent difficile le respect des conditions minimales de travail. Il serait alors judicieux pour la coopérative de prévoir dans le contrat de membre que ce dernier s'engage à fournir du travail pour le développement de la coopérative sans garantie de rémunération, échappant ainsi à la notion de salarié. Cette situation peut n'être que temporaire et être prévue dans un contrat à durée déterminée. Il faudra alors s'assurer de pouvoir respecter ce contrat jusqu'à son expiration. À l'expiration du contrat, les conditions d'emploi peuvent être réévaluées et transformées en un contrat de travail. Dès lors, les protections que garantit la loi sur les normes du travail aux salariés devront être respectées. Il importe de retenir que dans une coopérative de travail, le congédiement est du ressort exclusif du conseil d'administration. Par ailleurs, les modifications récentes à la loi sur les coopératives ont permis d'ajouter certains pouvoirs de sanction au directeur général sans pourtant lui permettre de congédier. Il est entendu que le conseil d'administration de la coopérative peut s'attribuer ses pouvoirs de sanction dévolus au directeur général ou les confier à une personne ou à un comité. Aux salariés indisciplinés, la coopérative devra appliquer des sanctions progressives, par exemple en commençant par des avertissements, puis en appliquant des suspensions de courte et de plus longue durée. En dernier lieu, le conseil d'administration pourra imposer le congédiement, à moins que la conduite du salarié soit suffisamment grave pour justifier un congédiement immédiat. Dans le cas d'un salarié incompétent, la coopérative devra l'aider et l'aviser qu'à l'expiration d'un délai raisonnable pour corriger la situation, il sera congédié. Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site de la Commission des normes du travail ou vous adresser au réseau de la coopération du travail du Québec.